Bonjour Aline Santin, merci d'accepter de parler avec nous. Vous avez été urgentiste pendant longtemps, vous êtes toujours actuellement en activité en tant que médecin et vous êtes lancé il y a maintenant quelques années dans un travail de thèse qui a été conséquent. Alors pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce travail? Ce travail, en fait, a été un travail qui faisait suite à un master d'études. Ce n'est pas venu de façon inopinée. On ne se lance pas dans un travail de thèse comme ça un matin en se levant. J'avais d'abord fait un master d'éthique. J'avais fait un master d'éthique 11 ans après le début de mon exercice. Mon chef de service m'avait dit, parce que ça m'intéressait énormément, m'avait dit, attends d'avoir de l'expérience avant d'aller creuser et de chercher plus avant. Et je l'en ai beaucoup remercié parce que je pense qu'il y a quand même un délai pour pouvoir réussir à comprendre ce qu'on a comme expérience et ce qu'on peut en faire. Et donc, je suis d'abord passée par la case master d'éthique pendant 2 ans. J'ai fini mon master en 2009 et je n'ai soutenu que 10 ans plus tard. En sachant que, globalement, mon inscription en thèse, a été effective pendant 7 ans et j'ai vraiment travaillé pendant 4 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense que le travail de master n'était pas un travail suffisamment construit et suffisamment abouti. C'est effectivement une première petite pierre, mais qu'il fallait que j'aille beaucoup plus loin. Surtout, je voulais avoir un sujet qui soit beaucoup plus complet. Le sujet du master, c'est deux thématiques différentes. C'est 1 an de travail et c'est pas du tout à dénigrer, mais il me semblait que j'avais beaucoup plus à aller chercher en construisant un travail de thèse. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans de façon, j'allais dire, un peu inconsciente, hein. Je crois qu'il faut être beaucoup conscient que c'est inconscient. Et en quoi aviez-vous besoin de faire ce travail en éthique? Qu'est-ce qui a déclenché cette appétence pour ce sujet? Alors, le sujet n'est pas venu initialement. On a toujours un premier sujet de thèse et puis on dérive un peu, j'allais dire, comme un iceberg. Et puis à un moment, clac, on se raccroche à une banquise et on se rend bien compte que c'est là qu'il faut travailler. Ça demande du temps et c'est aussi pour ça qu'il y a eu 7 ans, parce que mon premier sujet était sur la place des familles aux urgences et je n'y arrivais pas. Je tournais en rond, je n'arrivais pas à enclencher, j'allais dire, une sorte de construction. Et puis j'ai ensuite pensé aux critères discriminants d'admission en réanimation des malades, parce que j'étais très heurtée en fait par ce qui se passait sur le choix des malades, ce dont on parle actuellement à la faveur de la période Covid, c'est-à-dire le triage. Et je le vivais déjà en me demandant parfois si les critères étaient tout à fait objectifs. Et puis, j'ai pas réussi non plus, sans doute pour des raisons personnelles à ce moment-là. Et quand j'ai commencé vraiment à travailler ma thèse, j'étais toujours sur cette notion peut-être des facteurs discriminants. Et puis, je me suis calée sur un sujet qui était l'utile. Et finalement, je me suis raccordée sur la rencontre qui vient chapeauter l'utile. J'avais besoin, je crois, de faire de mon expérience quelque chose qui soit complètement exploité, parce que je crois que l'expérience, elle n'est exploitable que quand on l'a vraiment fouillée et travaillée. Et j'avais sans doute besoin de la transmettre, en tout cas d'en faire quelque chose qui soit ensuite un peu comme une bibliothèque, c'est-à-dire que vous accumulez de l'expérience, vous vous souvenez, mais vous n'avez pas tout à fait analysé les choses, en tout cas vous ne les avez pas analysées à la faveur de l'éthique. Et une fois que le travail de thèse est enclenché, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à vous en passer. C'est une sorte de drogue. Et alors, comment avez-vous avancé justement durant ces années de travail, de dur labeur? Ça se construit petit à petit. Alors, je crois qu'il n'y a pas une seule méthode pour faire une thèse. Il y a des méthodes et chacun la sienne. Ce qui est sûr, c'est que c'est un chemin et que chacun le parcourt comme il peut. La meilleure façon que j'ai pu avoir de travailler ma thèse, c'est en discutant beaucoup. Bien sûr, en travaillant énormément de façon seule, mais en exposant ce que je pensais, je me rendais compte qu'il y avait un jeu de ping-pong et donc d'interaction, hein, de dialectique, ce que j'aborde aussi dans ma thèse, et que cette dialectique-là, elle me faisait énormément progresser. Et je crois que j'ai été très enrichie par le regard des autres sur ce que je pouvais raconter. D'abord sur ce que j'avais raconté au moment où ça s'était produit, parce que en fait, ma thèse n'est faite qu'à partir des anecdotes. Quand je dis anecdotes, mais c'est plutôt des verbatims de ce que j'ai pu vivre. Et ce n'est pas des verbatims simples. Forcément, ça m'a d'ailleurs été à juste titre pointé du doigt lors de la soutenance. On ne se construit pas sur de la facilité. On se construit en opposition ou en apposition avec quelque chose qui vous a forcément secoué, bouleversé. Et je crois que cette expérience de médecine d'urgence avait été tellement forte
il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Donc, globalement, j'ai travaillé pas à pas, en construisant petit à petit, en ayant la chance de faire des présentations au sein de l'espace éthique, coordonné par Emmanuel, qui était mon co-directeur de thèse, et le regard bienveillant de mes co-doctorants et aussi d'Armel Debru, d'Emmanuel Hirsch, ont permis de faire avancer et progresser le travail. On ne progresse pas tout seul, hein, sinon on procrastine un peu, ce qui a été le cas au début. Mais je crois vraiment que c'est grâce au regard des autres que j'ai pu beaucoup avancer. Et puis après, il y a les lectures, évidemment, il y a un travail de fond, mais l'interaction est majeure pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment dans un collectif aussi que vous avez pu avancer et arriver à la, au bout de ce travail. Alors, l'un des grands points de votre thèse, c'est le concept d'éthique dévoilée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus hein, sur ce que vous entendez par là? Ma thèse, elle s'est effectivement construite, j'allais dire, un peu sur une progression certes personnelle par rapport à mon expérience d'urgentiste. Elle commence d'ailleurs par un événement assez dramatique, hein, qui est la mort d'un monsieur qui est très mal vécu par sa fille et qui nous traite d'assassin. Cet événement-là n'est pas un événement anodin. C'est effectivement un événement qui vous bouleverse et qui vous remet en cause pleinement. Et j'avais bien notion au début de mon exercice en tant qu'urgentiste que l'éthique était quelque chose que j'ignorais complètement. Aujourd'hui, quand on me demande ce que c'est l'éthique, d'abord je dis que c'est savoir se comporter, ce que je crois profondément. Et je pense aussi que c'est un truc qui ne sert à rien mais dont on ne peut pas se passer. C'est toute l'ambiguïté de l'éthique, c'est-à-dire qu'en fait, vous en faites tous les jours, c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, mais une fois que vous le savez, vous le maîtrisez beaucoup mieux. Et donc, elle s'est construite pas à pas sur, il n'y a pas d'éthique au début de mon exercice, en tout cas, je sens bien qu'il y a quelque chose qui doit murmurer quelque part et que je n'en ai pas conscience, en tout cas, que j'en ai absolument pas la maîtrise, et qu'au fur et à mesure, eh bien, j'avance, je progresse, et c'est pour ça d'ailleurs que les sous-parties ont des thématiques, enfin des libellés comme ça, qui sont les murmurés, dévoilés, consacrés, elle est dévoilée parce que d'un seul coup, je me rends compte que ce qui m'intéresse par rapport à mon exercice, c'est l'utile. C'est un concept en soi, c'est-à-dire que ça n'est pas juste l'utilité de la médecine, qui, elle, est globalement un enseignement, c'est ce que j'avais appelé l'utile appris, et puis il y a l'utile découvert. Au début, j'avais beaucoup tâtonné en pensant que c'était l'utile acquis, et je crois que la découverte est bien plus forte que l'acquisition. Parce qu'elle vous bouleverse, elle peut vous transcender. Et effectivement, le cœur de la thèse, pour ensuite arriver à la rencontre, c'est ça, c'est cette notion de dialectique soignante, c'est-à-dire d'interaction avec l'autre, qui finalement est une sorte de miroir ou alors d'altérité conjointe. C'est quelque chose qui finalement me motive tous les jours. En tout cas, c'est ce qui me motive le matin quand je vais à l'hôpital, c'est de pouvoir aider les autres, mais les aider aussi par la façon dont je vais les accompagner et non pas dont la médecine va les accompagner. Nous sommes des vecteurs, mais si nous ne restons que des vecteurs statiques, ça n'a pas d'intérêt. Je crois que ce qu'il faut, c'est réussir par l'analyse de l'expérience, en avoir fait quelque chose, et c'est effectivement ce concept d'utile et de capacité à donner réponse à l'autre, et donc d'en être responsable. Et donc, dans ce que vous nous dites, on entend bien que finalement, cette thèse, ça n'était qu'un début. Finalement, vous continuez tous les jours à mettre ce travail en application, c'est ça? J'ai changé d'exercice absolument, je ne suis plus aux urgences. Malgré ça, grâce à cette thèse en tout cas, je me rends compte à quel point le travail qui a été effectué, accumulé, me sert tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée, et vraiment je ne mens pas, où je ne me dis pas, finalement, c'est ma thèse qui, là, d'un seul coup, me sert pour une situation. Et je crois que c'est. Il faut que les gens puissent se questionner. Il faut qu'ils s'autorisent à se questionner. Et c'est le but de cette démarche-là, c'est de se dire, je ne peux pas rester statique, il faut bien que j'en fasse quelque chose, mais ça ne peut passer que par le questionnement, par le travail. Mais le travail du questionnement, et c'est finalement un questionnement sur soi-même. En tout cas, ma thèse, elle est profondément intime. Elle n'est basée que sur mon expérience. Je n'ai pas pris des expériences ou des verbatims qui avaient été racontés par d'autres, parce que je trouvais que c'était usurpé ce qui avait été vécu. Et aujourd'hui, l'apport de ma thèse dans mon quotidien a tout changé. C'est-à-dire que j'ai vraiment la notion pleine et entière qu'elle me sert non-stop,
que ce soit pour rencontrer pour la première fois un malade qui vient à ma consultation sur une transition de pédiatrie, parce que c'est quand même un élément majeur et vraiment bouleversant pour eux. Ils ont vécu avec un pédiatre pendant des années et ils viennent rencontrer un docteur adulte qui va les vouvoyer, ce qui n'est absolument pas pour eux quelque chose d'évident. Ou alors aussi pour annoncer une dialyse ou pour annoncer une dégradation cardiaque. Enfin voilà. Donc cet élément-là, tant de l'étude que de la rencontre et de la promesse de la rencontre, font partie de mon quotidien. Bon, ben, je crois que vous aurez donné envie à beaucoup de personnes de se lancer dans un travail de recherche en éthique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, ben, je vous dis peut-être à bientôt. J'espère après. Merci pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous. Au revoir.